tout est prêt qui dans l'église Sainte-Croix, spécialement curé, ainsi que à tout paroissien, paroissienne, pèlerin, paroisse. Donc, présence nous là en tant que vice-délégué à l'arrondissement de Port-au-Prince. C'est normal, c'est une fête de grande envergure pour nous là, pour nous assister à la fête ça. Et fête ça traduit pour nous, un côté, c'est amour papa bon Dieu gagné. L'elle accepté par une seule grande petite Lia pour le sauver l'humanité. Et on est capable de ce plus gros sacrifice qui fait dans le monde. Sacrifice ça pour que j'en gagne. C'est plus gros sacrifice et c'est sacrifice ça qui rachète nous en bas péché. Nous même en tant que vice-délégué à l'arrondissement de Port-au-Prince, nous pas hésiter une seconde dans l'intention de prière nous pour nous demander à Trinité Céleste là, qui c'est Père, Fils et Saint-Esprit, spécialement Saint-Esprit, pour les capables de guider Papa Nation, premier chef paysan, qui c'est son excellence, M. Joseph Michel Martelly, pour le capable de guider, pour toujours prendre de bonnes décisions qui pourraient aller dans l'intérêt nation. Et nous demandons toujours à Trinité ça, qui c'est symbole harmonie, entente, dialogue, cohésion, pour le capable de mettre même sentiment ça, dans le mi-temps, tout fonctionnaire de l'État, ministre, directeur général, délégué, vice-délégué, les maires Azek Kazek, pour être capable de souder, pour avoir une cohésion entre eux, pour collaborer, pour travailler capable de faire, pour sortir du pays dans l'État, les journées aujourd'hui. Parce que nous avons gardé depuis 200 ans, plus de 200 ans, nous avons toujours dit, nous sommes la première République noire, nous sommes l'appel des Antilles, journée aujourd'hui, nous avons gardé, c'est nous très mal vu à l'échelle internationale, c'est chômage, la misère, c'est insécurité. C'est la fin qui a ravagé nous. Alors, nous avons demandé, bon Dieu, pas créer nous pour ça. Alors, nous avons demandé pour lui, intervenu, pour le capable de changer les conditions de la nation, ça, afin que, un jour, nous-mêmes, en tant qu'Haïtiens, nous capables de fier, quel que soit côté, nous passer, pour nous redorer blason, nous, pour nous fier, pour nous ramasser, pour nous retrouver la dignité de peuple. Avec fierté et joie et contentement qu'on est ici pour apporter notre plein soutien au curé de la paroisse de Sainte-Croix. Vous savez, la fête de Sainte-Croix, c'est une grande fête parce que Jésus-Christ lui-même a été souffert sur la croix. Et c'est ça qui justifie notre présence ici en tant que maire de la commune de Tabar. Et pour la réalisation de cette fête, je peux vous dire en toute sincérité que la mairie de Tabar a consenti beaucoup de sacrifices pour que cette fête soit ce qu'elle est aujourd'hui. La mairie a débloqué plus de 35 000 dollars haïtiens pour la réalisation de cette fête. Et c'est qui commission qui est responsable pour organiser cette fête culturelle? Bon, les habitants de la commune et les habitants de la Croix des Missions. Est-ce que c'est un cop pour ça? On a remis un chèque de 100 000 goudes au délégué de la Croix des Missions, au délégué de ville. Il y a des organisations culturelles qui sont représentées par M. Titi, qu'on a donné un chèque de 25 000 goudes. Et encore, on a donné un chèque de 25 000 gourdes au curé de la paroisse. Et encore un chèque de 50 000 gourdes au choral de la Croix des Missions. Mais est-ce qu'on est satisfait? Bon, on est satisfait parce qu'on nous a bien reçus ici. Et la population est en liesse, est en joie. Je me suis en gros, on est satisfait.